D'un virus géant et de créatures ressemblant à des zombies à un crâne piégé dans des racines, découvrez 13 fois où des choses terrifiantes ont été gelées dans le temps. Numéro 13. Virus géant. Vous n'avez certainement pas besoin de moi pour vous dire à quel point c'est vraiment terrifiant de trouver un virus gelé dans le temps. Celui-ci, trouvé dans le permafrost sibérien et qui serait vieux de 30 000 ans, est revenu à la vie. Une fois dégelé, il est redevenu infectieux. Rien que cette phrase est susceptible de donner des frissons. Je veux dire, un virus qui revient à la vie, c'est un scénario de film d'horreur. Mais avant que vous ne paniquiez, les scientifiques affirment que ce virus ne représente aucune menace pour les humains. Voilà qui est agréable à entendre, de bonnes nouvelles pour changer. Mais pourquoi est-il qualifié de virus géant? Eh bien, c'est parce que, contrairement aux autres virus qui ont été découverts, celui-ci peut être vu au microscope. En fait, il s'agit du plus gros virus jamais découvert. Avec son 1,5 micromètre de long, il est comparable à une petite bactérie. Numéro 12. Zombies. Attendez, des zombies? C'est The Walking Dead ou quoi? Mais avant de commencer à vous préparer à l'apocalypse zombie, écoutez-moi bien. Ce sont de minuscules organismes zombies qui ont été congelés dans le permafrost de l'Arctique pendant plus de 20 000 ans. Ils ont été découverts dans le fleuve Alezaya en Sibérie en 2021 et ramenés à la vie par des scientifiques. Non seulement ils les ont ramenés à la vie, mais ils ont également produit des clones dans un laboratoire en Russie. Cela semble terrifiant, je sais, mais apprenons-en un peu plus sur ces minuscules zombies. Pour commencer, ils sont en fait appelés rotifères d'éloïdes. Ce nom semble certainement moins terrifiant que zombies. Quoi qu'il en soit, ce sont des animaux microscopiques multicellulaires qui vivent dans des environnements d'eau douce et qui existent depuis environ 50 millions d'années. Numéro 11. Chambre de soldats de la Première Guerre mondiale. Cela fait plus de 100 ans que la Première Guerre mondiale a pris fin et pourtant cette chambre qui appartenait à un soldat français nommé Hubert Rochereau, qui a combattu et est mort pendant cette guerre, est restée exactement la même. C'est comme si la pièce était figée dans le temps. Dans ce clip, le propriétaire actuel, Daniel Fabre, fait une visite guidée de la pièce assez extraordinaire. Vous pouvez voir la veste du soldat qui repose sur un support et ses livres et photos qui prennent la poussière sur la cheminée. C'est à la fois fascinant et terrifiant de voir toutes ces choses éparpillées dans la pièce. Mais comment cela peut-il être possible? Après tout, cela fait plus d'un siècle. Eh bien, c'est grâce aux parents du soldat qui ont conservé sa chambre exactement comme elle était le jour où il est parti au front. Et lorsqu'ils ont vendu la maison près de deux décennies plus tard, en 1935, ils ont fait signer au nouveau propriétaire une clause stipulant que la chambre ne pourrait pas être modifiée pendant 500 ans. Numéro 10. Avion de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons parlé de la pièce qui a été figée dans le temps depuis la Première Guerre mondiale. Découvrez maintenant cette incroyable découverte de la Seconde Guerre mondiale. Un avion de guerre RAF Kitty Hawk de la Seconde Guerre mondiale, complètement intact, a été retrouvé dans le désert du Sahara 70 ans après s'être écrasé. L'avion de guerre a disparu lors d'un vol d'une base à une autre le 28 juin 1942 et il semble avoir été abandonné, puis perdu, jusqu'à ce qu'un travailleur du pétrole le découvre en 2012. Le fait qu'il ait été retrouvé intact, presque en état de vol, est tout simplement incroyable. Vous ne trouvez pas? Numéro 9. Village figé dans le temps. Remontons maintenant à des milliers d'années avant les guerres mondiales pour une découverte choquante à près de 2 mètres sous la surface du sol, faite par des chercheurs de l'université de Cambridge. Ils ont trouvé une maison près de Whittlesey, en Angleterre, datant du 13e au 9e siècle avant Jésus-Christ. Selon les chercheurs, il s'agissait d'une maison ronde qui a brûlé dans un incendie il y a environ 3000 ans. Ce qui rend cette découverte choquante, c'est le fait que les objets qui auraient normalement dû se décomposer ont été préservés dans le limon de la rivière. Les chercheurs ont également trouvé des tasses, des bols et des pots contenant de la nourriture, croyez-le ou non. Numéro 8. Un lac sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Dans un canyon à l'intérieur des hautes terres de la Terre de la princesse Elisabeth en Antarctique, à environ 3 km sous la glace, les scientifiques ont découvert quelque chose qui les a choqués. Lors de leur découverte, ils pilotaient un avion de reconnaissance équipé de plusieurs instruments scientifiques, dont des radars. Lorsque l'un des radars a pointé en direction de la calotte glaciaire, à environ 500 km du bord de celle-ci, il a montré un reflet vif et brillant. Il s'est avéré qu'il y avait un lac à cet endroit et pas le plus petit non plus.
Le lac, appelé lac Snow Eagle, mesure environ 42 km de long, 15 km de large et 150 à 200 mètres de profondeur. Les sédiments au fond du lac se trouvent à une profondeur de 200 à 300 mètres et pourraient inclure des sédiments de rivières plus anciens que la calotte glaciaire elle-même. C'est tout simplement incroyable. Numéro 7. Grotte funéraire de l'ère Ramsès II. Le 13 septembre 2022, des travaux de construction avaient lieu dans le parc national de Palmachim, juste au-dessus de la capitale israélienne de Tel Aviv, lorsqu'une pelleteuse mécanique a accidentellement traversé le toit de quelque chose d'incroyable. À 2,5 mètres sous le sol se trouvait une grotte cachée qui semblait figée dans le temps. Une équipe d'archéologues a été immédiatement appelée et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils n'ont pas pu cacher leur excitation. À l'intérieur de la grotte se trouvaient des outils qui n'avaient pas été touchés depuis 3300 ans. Les archéologues étaient tellement choqués qu'ils ont décrit cette incroyable découverte comme la découverte d'une vie. Ils ont trouvé des dizaines de récipients en poterie de différentes tailles et formes, y compris des bols dont certains contenaient même des os. C'est tout simplement terrifiant. Les archéologues ont également découvert que la grotte avait servi de caveau funéraire au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon égyptien Ramsès II. Numéro 6. Des momies parfaitement conservées. En octobre 2019, des archéologues ont découvert quelque chose en Égypte qui les a choqués. Tout près de l'un des temples les plus célèbres de la vallée des rois à Louxor, ils ont déterré 30 cercueils antiques superposés, recouverts de peintures encore intactes et toujours aussi vives. C'est tout simplement incroyable, mais la vraie surprise se trouvait à l'intérieur des cercueils où ils ont trouvé des momies parfaitement conservées. Les archéologues sont convaincus que les personnes qui ont été enterrées dans ces cercueils étaient de haut statut, très probablement des prêtres, mais rien n'a encore été confirmé. Numéro 5. Cheval antique. À Pompéi, en Italie, les archéologues sont tombés sur quelque chose de choquant. Il s'agissait d'un cheval antique conservé dans les cendres après la célèbre éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, qui avait anéanti la ville. De manière assez choquante, la cavité couverte de cendres creusée par le corps du cheval était si bien conservée que les archéologues ont pu y injecter du plâtre liquide, la faisant ressembler à la statue d'un cheval qui repose éternellement sur son côté gauche contre le sol. Waouh, quand on parle d'être figé dans le temps. Quant à sa taille, le cheval mesurait 1,5 mètre au niveau des omoplates, une taille remarquable pour des chevaux de l'époque romaine. Numéro 4. Dinosaure blindé. Au Canada, des mineurs ont trouvé un dinosaure de 5,5 mètres de long ressemblant à un char à pointe appelé nodosaure. La bête était si bien conservée qu'elle semble avoir été figée dans le temps pendant plus de 100 millions d'années. Lorsque les chercheurs sont arrivés sur les lieux, ils n'ont même pas réalisé que l'animal était un dinosaure. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une autre créature marine préhistorique, car d'autres avaient été trouvées avant cette découverte dans la mine voisine, à une vingtaine de kilomètres de celle-ci. Imaginez leur choc lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un nodosaure. La bête de 1360 kg est si complète qu'elle ressemble à une statue terrifiante. Numéro 3. Renard gelé. Imaginez faire du patin à glace sur un lac gelé. Maintenant, quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Bien sûr, la glace peut se briser. Mais une autre chose terrifiante qui peut arriver est de voir quelque chose d'aussi terrifiant que ça. Oui, c'est bien un renard sous le lac et il est gelé. Voilà une vision cauchemardesque. Je parie que ce renard gelé hante encore les rêves du certain Jeffrey Sandstorm qui l'a trouvé. Numéro 2. Crâne piégé dans des racines. Ce n'est pas un secret que l'on peut voir des choses terrifiantes dans les bois. Nous en avons couvert une bonne partie sur cette chaîne. Mais rien ne peut battre cette vision terrifiante, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire que c'est un crâne piégé dans des racines d'arbres et une fois qu'on le voit, on ne peut pas l'oublier. Comment il a fini là, personne ne le sait et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Numéro 1. Créature dans de l'eau glacée. Maintenant que nous avons couvert le côté gauche de notre vignette pour aujourd'hui, il est temps de parler de l'image de droite. Elle n'est peut-être pas aussi cauchemardesque que le crâne piégé dans l'arbre, mais elle reste terrifiante. Elle montre une personne piégée sous de l'eau glacée. Maintenant, c'est juste terrible, mais il y a une chose plus choquante à ce sujet. Si vous regardez de plus près, vous verrez que la personne porte une sorte de masque ou peut-être que ce n'est pas du tout une personne. Quoi qu'il en soit, on dirait qu'elle est le sujet d'une sorte d'expérience. À votre avis, qu'est-ce que l'histoire derrière cette image ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne.